en 7-28, je me fous en l'air. Quoi ? Le mec, ah il non, est quoi ? Non, 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 il fait du 7-28. J'ai cru aussi que c'était lui qui avait fait du 7-28. Ah non, mais gros, mais là, j'aurais insulté tout le monde, j'aurais été prendre ma voisine, j'aurais enlevé son dentier, j'aurais pété la gueule sur le sol. On l'embrasse d'ailleurs. Bah oui, bon, on l'adore, c'est dit. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être réglées comme ça. Un peu d'amour pour notre bip de qualité. Merci mon frérot, on l'applaudit s'il vous plaît. Hop, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Merde, pardon. Hop, on l'applaudit les gars, je me suis trompé de touche. Désolé. Bref. Mets ta tâche en cala et tu arroses. 15 secondes. Putain, il l'a pas vu, Il l'a même pas vu, gros. Le gars, il est en train de faire un Transformers devant lui. Il est juste là, hein, les gars, il est juste là. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Et oui, c'est encore moi. Putain, tu t'y attendais pas, bordel. Écrase la sale gueule de tes ennemis sur le jeu auquel tout le monde joue. Gratuit et toujours disponible sur plusieurs plateformes. PC, mobile, smartphone, téléphone et appareil pour communiquer à distance. Bordel, qu'est-ce que ce jeu est bon. Incarne des orques, des morts vivants, chevaliers, elfes, bref, tout ce qui existe dans la vie réelle. Tu pourras même faire des tournois, bordel. Comme le tournoi de dragon, le tournoi de golem et même un putain tournoi de pétanque. Armand, t'es sûr pour la pétanque? Le patch 1.15 arrive en mai et avec lui, hein, vous pourrez participer au tout nouveau tournoi d'arène. Si tu veux me rejoindre, ajoute-moi sur le jeu Mister B-Boy 45 Twitch, car on m'a toujours pas rendu mon pseudo, d'accord? Et grâce au lien dans la description et si t'es nouveau joueur, tu obtiendras 100 000 pièces d'argent, plus une recharge d'énergie, ça c'est vraiment au cas où tu tombes en panne, plus un jour d'ISP boosté, plus un champion gratuit et plus une putain de bonne claque dans la gueule. On retrouve tout toutes ces récompenses dans ta petite boîte de réception si tu cliques sur le lien dans la description. Alors, à quoi tu joues? Eh ben j'espère que tu joues à Red Shadow Legend. Qu'est-ce que c'est que ça? Wouah, Sugoi! Ah, c'est comme ça que ça marche. Les gars, on sait enfin comment fonctionnent des toilettes japonaises. Oh, regardez. Regarde. Ah bah ça te nettoie toute la raie mon pote, hein, sur 4 générations. Hein. Ah ouais, la puissance du jet dans ton huc. Mo, tu m'as à pleine balle. Oh là là, mais même la température de l'eau qui te caresse. Eh ben écoute moi, joueuse de longue date très gentille, on te trouve agréablement sympathique d'avoir été aussi, comment on peut dire, entreprenante en amitié et en sentiments positifs envers le travail. Oui, c'est long. Ouais, c'était un peu long. Ouais. Tu fais de ces phrases, mon gars? Ouais, ça te plaît? Alors je dirais pas que ça me plaît, mais elle dure 10 minutes, ouais. Ouais, d'accord. 1965. Alors que Lulian se dirige dans un manoir accompagné de 6 membres de sa famille. Il décide d'en tuer un à l'aide d'un pot de moutarde qu'il insérera délicatement dans l'anus de son propre frère. Puis il se dirige vers la chambre de sa sœur. Nous allons passer les détails car beaucoup trop sanglants et beaucoup trop dangerous, certains diront. Oh non, j'ai tremblé, mais j'ai eu peur. M'a fait peur, ce fils de pute. L'OHP par contre, 20 HP. Eh mais les gars, y a rien qui va. Puis ensuite, il se dirige vers la chambre de ses parents. Le jeune loulou n'a pas eu son pèse en plastique quand il avait 8 ans. Il en a marre. Il veut se venger. Et l'avantage aussi, c'est que Sophie pourra intervenir des fois. Ah oui, il y aura des femmes. Ouais, bof. Oh là là. Et reporté pour misogynie. Clipper, reporté ouais, sur ouais, ouais. Je marche sur le tapis. Bernard. Le tapis, il glisse. J'essaie de me rattraper. Donc je me retourne en arrière pour me rattraper ce qui est derrière moi. Et je tombe. Et je me pète et je m'éclate mon pec droit contre le bord de la baignoire. Il reste que gauche. Voilà. Donc là, j'ai comme si tu bouffais une frite et qu'elle tombait dans tes poumons. T'as déjà une frite qui est tombée dans ton poumon? Ouais, c'est bizarre, les gars. Je crois non, qu'on mais... a pas les mêmes systèmes. Non, mais cette sensation quand tu manges une frite, t'as l'impression qu'elle est partie dans tes poumons. T'as jamais vu ça? Qui va, wesh? Mais qu'est-ce qu'il dit, wesh? Une frite qui tombe dans tes poumons? Non, mais t'as un problème mental. Loulou, y'a personne dans ton village là? Comment ça? Bah, t'as pas une petite meuf là en vue, rien? T'as pas non. Une voisine, rien? Y'a rien, il se passe rien. Au boulot, y'a pas un mec, un collègue de travail? Non. Un animal, quelque chose de consentant? Non. Un corps inerte, je sais pas, y'a un truc. Dans les ordures, des fois, tu trouves pas des trucs à moitié vivants. T'as raison, Loulou. Prends ton temps. Oui. Ouais. Péter et roter en même temps, je crois que ça m'est jamais arrivé, frère. Essaye un jour, tu vas voir, ça fait un boost quand tu pisses aussi. De quoi? Comment ça, un boost quand tu pisses? Mais bah, comment ça? Une fois, en gros, j'étais en train de pisser. Ouais. J'ai lâché un rond.
tapé une respiration et j'ai pété après et ça a fait un boost de bâtard et puis ça... C'est quand tu pètes, tu contractes et ça appuie sur ta vessie du coup. Oui, ça... sauf que ça m'a déchiré l'urètre en même temps. William William oh, fais-lui un câlin de ma part s'il s'est fait mal. Oh, t'as un câlin de Oli Oli. C'est quelqu'un qui va te faire un câlin, gros. Ouais, mais les câlins inconnus, c'est un peu chelou des fois. Si je me retourne et je vois un mec, tu nages dans ta merde, tu peux prendre un câlin d'un inconnu, gros. Tu vas pas nous casser les couilles. Il y aura aussi des petits jeux, on fera des petits jeux, je pense, pendant les émissions. Moi, je propose un jeu qui s'appelle Touche ma galette. Ok, tu veux que je te propose un jeu, moi ou pas? Tu connais le film Attrape-moi si tu peux? Ouais. Bah, ça s'appelle Ferme ta gueule si tu peux. Ok, d'accord. Ça commence quoi? Ah, j'ai perdu. Ah, ouais, tu vois, t'arriveras jamais à ce jeu-là. Et bah, voilà, j'ai mon arme, j'ai deux charges. Pierrot, il m'a dit je vais coucher mon fils et j'arrive dans 2 minutes. C'est bon, je suis là. Ouais. Et ben voilà. Il a pris le fils. Ouais, il l'a couché, il l'a éclaté contre le lit. Alors, tu dors, ok. C'était endormi sur le canapé et oh, c'est mignon. Kali, tu peux venir s'il te plaît? Kali, on a besoin de toi. Mon ok. Mais vite, parce que moi je peux jouer dans toi. Tu m'as fait peur, excuse-moi, c'est moi, tu m'as fait peur. Oh non, gros. Non, sérieusement. T'as tiré sur Vivo? Mais il m'a enculé, j'ai dit ça, je fais. En plus, t'as demandé que toi-même que je vienne! Mais oui, mais en fait, j'ai cru qu'il sortait par la fenêtre d'un coup, je sais pas, ça m'a fait paniquer. Ça, ils vont bien tes gosses, Pierrot? Ouais, ouais. Il a quel âge le plus grand? Il est plus 10 ans? T'as un âge à mater des boueurs, ça. Emmène-le chez tonton Alfouille, hein, tu vas pas regretter. Hein. J'ai hâte que Pierrot il tombe sur son gamin en train de mater un gros boulard un jour là. Un gros truc bien hardcore dans l'escape from Tarkov, tu vois. Mais non, c'est pas ça, mon fils! Et là, il lui monte un truc russe, gros. Bah, bam, c'est ça! Bah, vas-y, je vais venir avec vous. Hein. On a fait de la paix. Non les gars, non vous le faites exprès les gars. Bon 7-28 je me fous en l'air. Quoi? Le mec il est quoi? Le mec il est premier, il fait du 7-28. J'ai cru aussi que c'était lui qui avait fait du 7-28. Ah non mais gros, mais là j'aurais insulté tout le monde, j'aurais été prendre ma voisine, j'aurais enlevé son dentier, j'aurais pété la gueule sur le sol. On l'embrasse d'ailleurs. Bah oui, bah on l'adore, Sylvine. Et un bah la DC. Mais les gars, c'est qui qui tue? C'est pas moi, hein. Pas moi non plus. Ok, bah je suis mort instant, j'apparais sur un gars, il m'a tué. C'était nickel, nickel mascap. C'est beau. Je viens d'apparaître. Merci, chérie. Mais je viens d'apparaître. Merci pour ton 11e mois. Bon, ça fait 3 fois là, je peux payer ou pas parce que... Wesh le king. Wesh. Oh le choc. Eh, une petite gamine dans la forêt comme ça toute seule, 5 mecs qui tombent dessus les gars. Oh le grand méchant loup quoi. J'ai fait une reconstitution de du chaperon rouge littéralement les gars. Il y avait un mec habillé en yeti, un mec avec une faux. Eh les gars, c'était Halloween Party 6 volume 12. En bas les escaliers je pense. Quoi? Quoi? Non, quoi? Il te regardait pas? Il triche! Il triche! Wesh! Il triche! Il triche, gros! Les gars, c'est moi? Yes, yes. Adieu. Il t'a congelé. Hey, j'ai gelé, hein? J'ai gelé à lui. C'est l'humour qui me fait vivre. Ta gueule, putain. Je peux la refaire au ralenti pour ceux qui n'ont pas compris avec l'heure. J'ai gelé parce qu'il m'a gelé et j'ai gelé en même temps. Ça va, comment ça tourne? Dommage. Donc là, ça serait le chat qui défile, d'accord? Écoute, commence pas toi. Mais d'où t'as vu ça où toi? T'es ophtalmo? Elle a dit n'importe quoi, wesh. Elle a dit... Les gars, vous avez entendu ce qu'elle a dit ou pas? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit, les gars? C'est honteux. Elle dit, bah mets-le à droite. J'ai dit, bah pourquoi? Elle me dit, ouais, pour les yeux, c'est plus facile d'aller à droite qu'à gauche. N'importe quoi, les gars. Laurine, si tu parles un peu trop, je préfère te dire qu'on va te briser la mâchoire. C'est les mecs ultra... Quand tu vas avoir les côtes en lévitation, Laurine. Hé hey Laurine, je vais faire du xylophone sur tes côtes. Arrête tes conneries maintenant, d'accord? Laurine, on va aspirer ta boîte crânienne. Hein. Maintenant, il va falloir que t'arrêtes tes conneries. Hein. Commence à en avoir marre. Un peu, tu sais, un peu trisomico, enfin un truc sympa, tu vois, c'est... Alors déjà, tu respectes un petit peu cette maladie. J'ai tapé mon plus beau blue screen, ça y est, ça. Oh, ça, c'est le karma instant. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. J'ai tapé instant, les gars, le karma, il est venu me chercher direct. Corinne, sur une échelle de 1 à 10, tu nous aimes comment? En fonction de ta réponse, t'auras plus ou moins l'échelle dans la gueule. Lorine, un coup de pelle par derrière pour que tu fais ton lit, c'est vite arrivé. T'imagines, la meuf demain, 9h du mat, elle fait son lit, elle a rien demandé, il y a un gars avec une pelle, il arrive et je bouge.
chose contre les calvities? Non, j'adore. Bon, je m'excuse pas, j'en ai pas. Dès que je vois un mec avec une Jojo, la dernière fois, je lui ai léché le front. J'avais plus de salive, hein. Bon, après, fallait faire le tour du bordel, mais. Laurine, tu veux que je t'étouffe entre mes fesses et que je t'arrache la gueule ou quoi? Tu vas vraiment mieux me parler, Laurine. Non, mais je préfère te le dire, là, Laurine. Tu vas te calmer. Quentin, tu sais que toi, comme moi, machin, on a un caractère particulier, on est particulier. Alban est particulier, Louliane, c'est une balle tringue. On a tous... T'en merde, toi. Non, les gars, je prends que des balles. Mais gros, ça termine, ce fils de p***, tu mets des balles. On voit ce que je vois ou quoi? Mais ça grand mère. On est tous en train de muter, là. Mais non. Les nudes d'hommes, c'est moins glamour, tu vois. Genre. Je trouve ça éclaté, ouais. Non, mais après, je pense que c'est parce qu'on est des mecs qui ont dit ça, tu vois. Non, parce que, tu sais, le corps de la femme, elles font un effort et tout, frère. Par contre, c'est vrai que les femmes sont originales. Elles arrivent à faire des dingueries, gros. Ouais. Elles arrivent à faire en sorte de poser un plateau repas en haut de leur boule et tout. C'est un plaisir, tu vois. Un nude d'homme, à part avoir le chip dans la main, je vois pas trop le... Tu peux pas prendre la photo, quoi, parce qu'il faut les deux mains pour le chibrac. Qui prend la photo? Maman. 4 balles dans la tête, le mec il est debout, il court, oh, il sourit. J'ai pas le temps d'apparaître, j'ai tant bien faire, gros. Mais meurs. Comment tu sais que Eh, je craque parce que c'est le pire jeu du monde. Loulou, quelle serait pour toi la sentence idéale et adéquate à mettre en place immédiatement pour ces fils de p***? Ah, faut envoyer plusieurs équipes. Les équipes seront envoyées dans les heures et jours qui viennent et le karma frappera fort, très, très fort. Ah, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Oh. Allez, go les gars. Par contre, les gars, moi je. Ah, les gars, t'as quitté la partie. Ouais, t'as quitté la partie. Salut, B-Boy, à bientôt. Hein. Hop, il est ban, il a un step team viewer. C'est une blague, quoi.